Bonjour, je m'appelle Mariam Diallo, je suis en classe de 3e, j'ai 15 ans, dans l'école Bakary Dansoro. Ça va un peu avec. Au début, on ne se fiait pas beaucoup. Maintenant, ça va, parce qu'il n'y a plus de couvre. On sort pour acheter quelque chose à manger. Il y a combien de filles dans le monde? Je ne sais pas, nous sommes au nombre de 48, nous tous. Mais je ne sais pas, il y a combien de filles. Quelles sont vos résultats? Il y a plus de filles que de garçons. Il y a plus de filles que de garçons? Oui. Et vos conditions d'études sont bien? Oui. La meilleure note, c'est combien? Moins. C'est moins de 17. Si wawa hebude fere de fere porte de candidat golle gol goddum kono de wobbe ben gol jangde prof hebude gol eh hebugol defem hebugol bakon satiri be han ayi ne do goto no wadi do 3 fois bak o hebani yone andi ko fo dum kadi decourage goddo ha o yalla ara o hebani dum do hebani programme di garam hore ma fay C'est ce qui est important. Je suis la coordinatrice des Girls for Mining. Girls for Mining, c'est une initiative de Women in Mining Sénégal qui prône la relève générationnelle. Son objectif principal, c'est d'inciter les jeunes filles dans les filières scientifiques, techniques, l'ingénierie et les mathématiques, mais aussi les préparer et les inciter aux métiers futurs du pétrole, des mines et du gaz. Aujourd'hui, nous sommes au village de Bantako avec des filles du village qui sont élèves et certaines sont étudiantes. Elles sont entre la classe de 4e et la classe de 1e. Aujourd'hui, nous partageons avec elles
le but de l'organisation Girls for Mining. En retour, elles nous disent ce qu'elles veulent faire plus tard. Elles partagent avec nous leur expérience scolaire, ce qu'elles veulent faire plus tard, comment est-ce qu'elles vivent, comment est-ce qu'elles sont par rapport aux métiers qui sont là, les mines, le pétrole, l'or, le gaz, etc. Et après, pour certaines qui ne savent pas pour le moment ce qu'elles veulent faire, nous leur aidons un peu à leur faire connaître quels sont les métiers qui existent dans leur communauté. Certaines d'entre elles nous disent qu'elles savent ce qu'elles veulent faire, elles veulent continuer leurs études, mais elles n'ont pas l'opportunité de le faire parce que certaines ont des problèmes avec la famille, d'autres doivent abandonner à cause du mariage. D'autres nous disent que l'école est très loin par rapport à leur maison. Il y a les conditions climatiques, etc., qui leur empêchent des fois d'arriver à l'école à temps. Et donc, elles ont des fois des problèmes. Allez, prenez ça. Organiser la lingue, un cercle au moins pour avoir un peu d'espace. Où sont vos masques? Sont vous trois, ça peut aller. Super. Ah, Thank you.
connaître Ben Sur. Il y a un système de Et bon, il faut que si nous sommes alignés, ça veut dire que filon est dans la direction. Vous entreprise à mon côté. Mais si nous avons fini GPS, normalement, nous sommes nord-est là, qui vient avec elle. Filon, entreprise, nous sommes à mon côté. Leur payeur joue un très grand rôle dans notre activité hein, parce que il n'y a pas de travail. La société qui est là ne peut pas recruter tout le monde. Et il faut que les gens se vivent. Nous sommes des pères de famille. Il y a des pères de famille qui ont une famille à nourrir. Donc s'ils n'ont pas de travail ailleurs, ils sont obligés d'aller au Djura. Parce qu'il y en a qui vont au Djura, ce n'est pas parce qu'ils aiment le Djura. Mais ils vont au Djura pour nourrir leur famille. Voilà. C'est ça, et l'agriculture aussi, et là on cultive aussi. Bon, à propos des Djura, il y a beaucoup de problèmes que nous rencontrons. Hein, à propos des Djura, le Djura a beaucoup de problèmes. Parce que d'un côté, le Djura a un problème positif, d'un côté, le Djura a des problèmes vraiment. Ce qui est là, qui empêche un peu les enfants à étudier. Parce que parfois, quand un élève commence à partir au Djura, aujourd'hui il a 20 000.
demain, si tu le dis d'aller au Jura, il va pas, à l'école, il ne va pas accepter. Ça fait un peu partie de l'abandon des jeunes filles à l'école aussi, ici. Nous avons des moyens de contrecarrer parce que là, tous les élèves, celui qui a un élève qui est à l'école, on l'interdit d'aller au Jura. Parce que l'année dernière, on nous avait appelé à une réunion à Sarajevo. Ça, c'était pour empêcher les élèves, les jeunes filles, les jeunes garçons d'aller au Jura. Ça, on l'a même fait, on a recruté des sécurités, c'est des tomboulements qui sont là, qui surveillaient les routes, qui surveillaient le village, qui surveillaient même parfois dans les maisons, parce qu'on a formellement interdit de laisser un enfant partir au Jura, parce que le Jura n'est pas un avenir pour un enfant. Je suis très content de l'organisation là, parce que ça, c'est une sensibilisation vraiment, que vous êtes venus nous sensibiliser, qu'il y en a parmi nous beaucoup qui ont connu quelque chose qu'ils ne savaient même pas. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes contents jusqu'à bas âge, les jeunes filles, même eux-mêmes, ils commencent à connaître que l'étude d'une jeune fille à l'école est mieux, c'est très bon. Parce que les autres filles qui sont arrêtées en train de vous regarder, vous êtes en train d'habiller les autres filles, vraiment ça leur poussera à continuer, ça leur poussera maintenant à mieux continuer l'école et à étudier à l'école. Les parents aussi vont comprendre la valeur de l'étude. Parce que je peux dire que ici, nous, le problème est que les parents ici, avant, ne connaissent pas la valeur de l'étude. Le sens, tu amènes ton enfant à l'école, tu ne le suivais pas, toi tu es au Jura. Ton enfant, il a étudié, il n'est pas parti, il est parti, toi tu ne sais pas, toi tu es au Jura. Vous savez, ça aussi, ce n'est pas bon. D'une part, c'est le manque de responsabilité aussi des parents. Nous sommes des sanbarokuna. Alors que pour y avoir nous sommes des gens qui disent, alors que pour tenir du bébé, comment ça se met au poste d'un homme. Le chef de village. Girls for Mining. C'est bon. Vas-y, continue. Ok. Auprès des jeunes filles,
les inciter et les préparer au métier des mines. Nous sommes venus ici pour aider les jeunes filles à les inciter et les préparer au métier des mines, du pétrole et du gaz. Et à les soutenir, à les encourager de ne pas abandonner l'école. Leurs conseils et leurs activités, j'aime beaucoup ça. Et ce qu'ils font aussi, ça m'encourage de continuer mes études. D'en faire beaucoup à l'école et d'aider les autres enfants, d'être bien et participer aussi, de ne pas abandonner l'école, de continuer les études. Joni comme il y a, c'est un ami belge qui a abouti. Bari, Doumbé Dandi, ça y est, on vit à Dakar, Garibé, Taïmendo, Wali Sukabe, Wali Rebebe, les femmes inébé, même belge qui bouille. Frère, et le travail ici? Ça va un peu. Vous n'avez pas de difficultés? Non, non, pas de difficultés. L'électricité, tout va bien? Oui, ça va bien. Et les sites d'orpaillage, ils sont fermés? Ah, ils sont fermés. Il n'y a pas de travail dans cette plaine. Et ça? Donc, les autorités, qu'est-ce qu'ils disent pour la réouverture des Djoura? Ah, s'ils ont voulu, c'est bon. Sinon, ça. Nous, on ne peut pas gagner l'argent pour rentrer dans notre village. Sinon, nous, on ne peut pas gagner l'argent rentrer au village. Mm-hmm. Bon. Il faut que nous n'ayons pas ouvrir. On va travailler dans deux jours avant de rentrer. Inch'Allah. Les familles à la maison, si tu n'es pas si y a pas de travail, tu vas lui faire comment? Mm-hmm. Pour que tu n'aies pas gagné un peu, un peu. Et puis tu envoies un peu, ils vont payer les nourritures. Et puis tu gagnes un peu, puis tu rentres. Vois tes familles avant de retourner. C'est ça qui est mieux. Si nous n'avons pas ouvrir, ah, c'est pas bon. Les femmes, notre femme qui sont à la maison, ah, ils vont nous laisser de chercher un autre gars. Ça qui est difficile. Nous, on est là où on va travailler. Notre travail, c'est ici seulement. C'est les gens qui partent au champ, travaillent en vaille. Nous, on est tranquille. C'est comme ça qu'on va faire. Et vous aimez bien votre travail? Oui. Mmh. Comme ça, imagine, s'il n'y a pas tout, nous, on peut réguler. Vous réglez vous-même? Oui. Donc vous êtes aussi mécanicien? Voilà. Mécanicien des machines, nous on peut faire ça. Vous réparez pour d'autres personnes aussi? Non. Pour vous seul? Voilà. Chacun répare pour lui seul? Oui, il y a les autres qui ne connaissent pas quoi. Mmh. Mais si, comme ça, si il était gâté, si tu n'as pas de travail, tu peux aller aider, il va réguler. Et ça, c'est quoi? Cailloux. C'est des cailloux. Cailloux, on a pilé comme ça. Mais là, ça reste troisième tour. Ça reste trois sachets. Troisième tour. Je vais mettre encore. Mmh. C'est fini. J'ai fait deux fois. Troisième qui est resté. Donc, vous allez prendre les cailloux, oui, oui. Vous pilez, après vous êtes allé. Voilà. Mais là, si c'est sec, on ne met pas dans le chaud. Si c'est sec, on laisse comme ça. Si c'est pas sec, on n'a pas mis dans le chaud.
Sinon, si ça colle, trique la machine, là, ça ne peut pas rouler. C'est comme ça. Vous travaillez combien de temps par jour? Ah, s'il y a beaucoup de camions, on peut écraser aujourd'hui jusqu'à 14h, 15h, puis on laisse demain matin. La fermeture de l'orpaillage, beaucoup ça nous a amené beaucoup de problèmes. Puisque nous vivons dans les... C'est dans l'orpaillage qu'on gagne beaucoup de revenus. Lorsqu'ils ont fermé les sites d'orpaillage, on a eu beaucoup, avec le Covid, on a eu beaucoup de problèmes. Des problèmes. Puisque on n'arrive pas à survenir, on n'arrive pas à gagner quelque chose. Puisque c'est dans les sites qu'on allait pour gagner quelque chose, pour faire le commerce, pour laver l'or. Mais depuis qu'on a fermé les sites d'orpaillage, on n'a pas eu à gagner quelque chose. Covid a en tout cas montré la voie cette année-ci. Lorsqu'il s'agissait de fermer les Djoura à cause de la maladie depuis le mois de mars, les gens ont beaucoup souffert dans cette zone. Il y avait des cas de famine qui ont été signalés. On nous a même signalé qu'il y avait une femme qui était en état dans le village de Harahena et qui avait tellement faim que lorsqu'il s'agissait en tout cas de l'aider lors de son accouchement, elle n'avait plus de force. Elle a perdu l'âme, elle a perdu la vie avec son bébé. Donc ça, je pense que c'est un cas patent, donc qu'il faut véritablement interroger. Et je pense que ceux qui parvenaient à résister de cette pandémie, ce n'est que les villages qui pratiquaient simultanément l'agriculture pendant l'hivernage. Et c'est notamment Bantako et environ. Et c'était les villages qui étaient les plus résilients par rapport aux effets du Covid. Et je pense que ça doit être un effet déclencheur pour que les gens aussi parviennent à comprendre que l'orpaillage, c'est pour une durée bien déterminée, c'est pendant la saison pluvieuse, mais pendant la saison pluvieuse, qu'ils privilégient un peu l'agriculture parce qu'ils vivent des produits agricoles. On a eu de sérieux problèmes pour gagner des ressources, puisque donc le matin, il fallait se lever le matin, aller dans les sites d'orpaillage, laver l'or, laver le sable et gagner quelque chose pour se venir à la maison. Depuis qu'il y a le problème du Covid, on n'avait pas eu quelque chose à travailler. Donc on était là jusqu'à la maison, vivre dans des difficultés avec nos petits-enfants. Puisque vous savez, la famille, c'est la femme. Donc c'est la femme qui va chercher l'argent, qui va chercher pour l'éducation des enfants, qui va chercher des revenus pour la dépense quotidienne dans la maison. On a vu des personnes qui ont réussi, les personnes qui en ont moins, ils ont réussi puisqu'ils ont pu créer leur propre site. Quand tu travailles pour toi-même, tu vas réussir. Mais quand tu dépends de quelqu'un d'autre, tu ne vas pas réussir dans les zones d'orpaillage. La difficulté, il y a un problème d'organisation administrative qui est là et qui est réel. C'est très difficile pour l'administration de contrôler ce sous-secteur de l'orpaillage. Et ce qui fait que, avec l'arrivée surtout des étrangers, nos parents de la sous-région qui viennent pour un peu les besoins de l'orpaillage, il y a des fois des pratiques et d'orpaillage qui sont très différentes de celles qui sont observées par les autochtones. Et ça a en tout cas généré un tout petit peu des conflits dus aux des impacts très négatifs que surtout nos parents du Burkina Faso sont en train en tout cas de faire avec leur technique d'exploitation qui consiste à déchousser les arbres, interdire entre guillemets les communautés riveraines de leur zone cible en tout cas d'accès à ces zones-là, ce qui fait qu'il y a énormément de problèmes. Et je pense que si l'État ne prend pas les devants par rapport à toutes ces questions, à l'avenir, nous allons connaître en tout cas des difficultés extrêmement complexes entre pays, et ça, c'est pas du tout souhaitable. On a vécu l'expérience entre la Mauritanie et le Sénégal. On ne souhaite pas que ça se reproduise avec nos parents maliens ou burkinabés, surtout dans ce Sénégal oriental, où en tout cas tous ces acteurs sont des parents, parce que c'est les peuples malinké, mandingue, alpoular qui cohabitent et qui sont en tout cas des parents. Mais je pense que si l'État ne fait pas d'efforts pour un peu réorganiser ce secteur d'orpaillage avec ce que font les étrangers, notamment les Burkinabés, dans ce Sénégal oriental, notamment dans Tenkoto et environ, nous allons connaître un lendemain extrêmement compliqué. Ils ont pris des permis, ils ont donné à d'autres personnes qui ne sont pas, par exemple, comme le cas de ce qu'on a vu dans la zone de Tenkoto.
le site a été octroyé à quelqu'un d'autre et qu'il y avait un site qui était octroyé à la population de Tenkoto. Mais ceci là, ce sont des problèmes. Il faut aider les femmes à gagner de la terre eux-mêmes. L'accès à la terre pour les femmes même. C'est quand elles ont une surface, elles vont aller exploiter et gagner pour subvenir à leurs besoins. Ça nécessite des réformes très profondes du secteur de l'arpaïs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, certes, les autochtones, les Quédovins et autres, parviennent à, en tout cas, gagner leur vie convenablement avec ce sous-secteur. Quelles que soient les circonstances, l'orpaillage est la principale activité génératrice de revenus dans ce Sénégal oriental, notamment surtout dans la région de Kédou. Les communautés en tirent en tout cas bénéfice et parviennent à subvenir à leurs besoins. Mais le problème, c'est que l'État ne gagne absolument rien avec cet orpaillage. Il n'y a pas de recettes fiscales qui sont encaissées par l'État et il y a beaucoup d'impacts environnementaux sociaux qui sont générés par ces pratiques. Je pense que l'État gagnerait à mieux réorganiser ce secteur en menant en tout cas d'abord une étude assez approfondie du secteur de l'orpaillage, un diagnostic complet qui permettra un tout petit peu de mieux cerner les enjeux et en tout cas et d'identifier sur les axes ou les actions à mener pour véritablement aller dans un orpaillage assez durable et qui profite aussi bien à l'État que les autochtones. Organiser les orpailleurs. Faire des programmes de sensibilisation, puisque eux, ils ne connaissent pas, puisqu'il y a beaucoup de nationalités dans les zones. S'ils ne sont pas organisés, ils ne pourront pas maîtriser tout ce processus-là, la drogue, la prostitution et autres. Puisqu'il y a beaucoup de nationalités, ce ne sont pas les natifs des villages même qui sont en train de faire ça. Mais quand ils voient la pauvreté, ils vont rentrer dans la prostitution, ils vont rentrer dans la drogue. Pour la petite histoire, c'était mobilisé il y a de cela quelques années pour aller au niveau du trésor payeur de Kédougou pour payer les impôts, pour s'acquitter des impôts. Mais il se trouve que dans la nomenclature ou bien dans l'architecture des impôts, donc il n'y avait pas une ligne dédiée à recevoir ou bien à percevoir l'argent des orpailleurs. Ce qui fait qu'il y a des réformes sérieuses, en tout cas, qu'il faut mener dans ce sens, aussi bien sur le plan fiscal, environnemental, mais organisationnel, pour qu'on ait vraiment des cadres qui regroupent les acteurs surtout concernés et que véritablement, qu'on essaye un tout petit peu de travailler d'une manière assez inclusive et durable sur l'activité d'orpaillage. Depuis que l'orpaillage est là, parce que les personnes ont abandonné l'agriculture. C'est pas dû parce qu'ils ne veulent pas. Mais tu pars tout de suite dans l'or, tu gagnes même si c'est 2500 par jour pour ta dépense quotidienne. Mais l'agriculture, si tu n'as pas les moyens, tu n'es pas encadré, tu n'as pas de moyens de matériel. Donc tu ne pourras pas faire une bonne agriculture jusqu'à ce que tu vas gagner quelque chose. Normalement, dans nos sites d'orpaillage, on doit organiser ces gens-là. Les femmes, les jeunes, mettre des programmes avec qui ils vont travailler pour gagner, pour subvenir à leurs besoins. Mettre des programmes, des projets, programmes. Quand on les organise, on les montre quelque chose, ils vont travailler. Ce n'est pas l'or seulement qui est là, mais il y a l'agriculture qui est là. L'agriculture peut cultiver le fognon qui est là, qui est un produit bio et qui est bon pour la santé des personnes, de tout le monde. S'ils organisent les femmes là, par exemple les femmes qui sont dans les zones d'orpaillage, dire que non, vous avez le matériel qui est là, vous avez l'intrant qui est là, donc cultiver le fognon, ils vont les former, nous allons les former, ils vont cultiver. Et que là, le fognon coûte très cher à Kédougou. On ne dit pas si c'est à l'extérieur. S'ils s'organisent, ils vont les organiser après. D'autres partenaires vont venir acheter ce fognon là pour qu'elles puissent, parce qu'avec le fognon, ils peuvent gagner plus que dans les zones d'orpaillage. On parle d'impacts environnementaux liés à l'activité extractive ou minière notamment, mais dites-vous bien que c'est l'orpaillage qui pollue beaucoup l'environnement. Les entreprises, l'industrie minière donc, est régie par des normes et elles sont obligées de les respecter. En tout cas, suivant le cahier de charges qui les lie avec l'État du Sénégal. Mais l'orpaillage n'étant pas assez normé, assez contrôlé et assez réglementé dans une certaine mesure, donc les impacts sont très visibles.
très visible. Il y a non seulement la pollution des eaux de surface, il y a un déboisement massif pour un peu les besoins de la charpenterie pour ce qui est des damas, les trous. Donc il y a tout un tas d'impacts négatifs à l'environnement qui sont observés dans les pratiques d'orpaillage au niveau de la zone. Surtout les produits chimiques qu'on utilise, le mercure et le cyanure, qui en tout cas est à décourager parce que le mercure ou le cyanure nuit considérablement à la santé humaine. Dans le département de Saraya, il y a trois catégories d'espèces qui sont vraiment en voie de disparition parce qu'il y en a d'autres d'ailleurs que parfois on les voit même plus. Voilà, c'est le cas des gèbres, des bifles et les taupes. On peut dire que les menaces sont réelles, surtout avec le fleuve. Il y a la Falémé et le fleuve Gambie qui sont les deux principaux cours d'eau de la zone et des cours d'eau qui contenaient en tout cas du poisson. Mais avec ces produits toxiques, naturellement, ça va contribuer grandement à la disparition de ces espèces. Ça, on peut l'affirmer. Et il y en a même des rapports qui ont en tout cas montré qu'effectivement, ces deux cours d'eau sont grandement pollués et le degré de toxicité dépasse 10 fois la norme, en quelque sorte. Donc, il y a deux étudiantes américaines qui avaient travaillé sur ces questions dans le Sénégal, dans le département de Saraya. Et en tout cas, les résultats de leurs études ont montré qu'effectivement, la Falémé et le fleuve Gambie sont fortement menacés par l'utilisation du mercure et du cyanure. Et s'il y a des impacts à ce niveau, donc naturellement, les espèces de poissons qui se trouvaient dans ces cours d'eau risquent d'être en tout cas grandement menacées ou voire même disparaître du jour au lendemain. Beaucoup de membres de la société civile se disent que les compagnies ne font rien en termes d'infrastructures touristiques pour désenclaver certaines zones. Mais moi, je me dis que ça, ce n'est pas la responsabilité d'une entreprise minière. Il faut qu'on se dise la vérité aussi. Une entreprise minière est là pour faire du profit. Et il y a énormément de sous qui sont payés à l'État du Sénégal. Il revient à l'État d'accomplir sa mission régalienne. Permettre à ses concitoyens d'avoir accès aux services sociaux de base. C'est les routes, c'est l'eau, c'est l'électricité. Bien vrai que les entreprises minières, dans le cadre de leur politique RSE, contribuent grandement à, en tout cas, l'accès à ces services. Mais pour ce qui est des infrastructures routières, il revient du ressort de l'État. Et c'est à l'État, en tout cas, de construire ces routes. Mais malheureusement, 32 milliards par an générés par les recettes du secteur minier dans le Sénégal oriental, l'axe Bembou, Kédougou, Bembou, Sabodola, qui fait 60 km depuis 2009, n'arrive pas à être bitumé. Ça, c'est de la responsabilité de l'État. C'est l'État qui ne joue pas son rôle dans ce sens. L'État fait beaucoup d'efforts, mais le Sénégal, c'est un grand pays. Ce n'est pas un petit pays comme d'autres le disent. Moi, je suis du département de Saraya. Et la majeure partie de ces routes, à part le corridor Dakar-Bamako, il n'y a aucune route goudronnée. Donc ça veut dire que c'est des sociétés parfois qui grattent les routes, mais avec l'hivernage, les routes là, ça se détériore. On n'a pas de route. Le désenclavement, prenez l'exemple de Sarouja. Pendant l'hivernage, parfois, Sarouja est coupé de Saraya. Donc maintenant, pour même se nourrir, ils sont obligés parfois d'aller vers le Mali parce qu'ils se disaient que c'est un peu plus proche. Et de Sarouja aussi, encore à Madina Bafé, c'est des problèmes. Même s'ils sont en train de faire des efforts concernant les routes, mais ça manque encore. Et partout, c'est la même chose. Regardez le tronçon Saraya, Sayon, surtout, c'est encore pire. Donc je pense que vraiment l'État a vraiment du boulot. Ils sont en train de faire, mais s'ils peuvent augmenter encore et davantage, ça nous fera énormément plaisir. Je ne suis pas sûr qu'il y a de la drogue, mais je sais qu'il y a beaucoup d'alcool dans la zone. Parce qu'il y a la présence de beaucoup de bars. Et pour ce qui est de la prostitution aussi, ça va avec l'orpaillage, c'est assez compliqué. L'essentiel, c'est que... Et puis, ce n'est pas une activité totalement interdite. L'essence est bien vrai que c'est encadré parce qu'il faut une carte sanitaire qui te permet d'exercer, il faut respecter tes rendez-vous médicaux et tout. Donc j'avoue que pour ce qui est des étrangers qui sont présents, d'après les informations que nous avons dans le cadre d'une recherche qu'on était en train de mener il y a de cela 2 ans, ces étrangers respectent en tout cas les visites médicaux. Mais le malheur, c'est qu'il y a des Sénégalais qui s'activent dans ce truc et que véritablement qui ne souhaitent pas
se dévoiler. Et naturellement, c'est ces gens-là qui sont dans la clandestinité et qui, en tout cas, risquent de porter préjudice à toute une communauté. Pour ce projet, il s'agit de voir, en tout cas, de mesurer le niveau de prise en compte du genre dans les programmes RSE, le contenu local, ainsi que les autres programmes de développement, mais aussi de voir comment les femmes travaillent au quotidien, quels problèmes ou bien quelles difficultés elles rencontrent au quotidien, et afin de définir des jalons qui permettraient d'apporter solutions par rapport à ces problèmes. Et également, toujours dans le cadre de ce projet, de voir quelles stratégies en tout cas de résilience ces femmes mettent en œuvre pour pouvoir faire face à ces difficultés qu'elles rencontrent dans leur quotidien. Et en même temps, il s'agira aussi de sensibiliser davantage, de renforcer davantage les jeunes filles, c'est-à-dire les Girls for Mining, comme nous avons l'habitude de les appeler, à travers le projet Girls for Mining, qui est un projet qui un peu incite les jeunes filles dans les filières scientifiques et en second temps dans les métiers des mines, du pétrole et du gaz. Et l'objectif avec ce projet, c'est de lutter en quelque sorte à la déperdition scolaire, l'abandon précoce de l'école, le travail des enfants dans les sites d'activité d'orpaillage, mais également de donner à ces jeunes filles-là l'opportunité de savoir qu'elles ont leur place à occuper dans les entreprises minières, mais que ça puisse se préparer très tôt. Et c'est dans ce cadre-là que nous essayons de travailler avec les femmes des communautés qui abritent les activités extractives, notamment celles qui sont dans l'orpaillage. Et comme vous le savez, la région de Kédougou, sa particularité, c'est notamment l'activité d'orpaillage où nos braves dames essayent de trouver le gramme d'or, mais avec des difficultés ou bien des risques dont elles font face, notamment par exemple la manipulation des produits chimiques et également les violences basées sur le genre dont elles peuvent faire face dans ces sites d'activité orpaillage. Donc en fait, à travers ces projets, c'est de voir comment mieux les accompagner, comment mieux entrer en contact avec elles et surtout de développer le partenariat auprès des compagnies ou bien en tout cas des acteurs de développement pour qu'en fait leur programme et leur initiative puissent être beaucoup plus sensibles aux gens. Et donc peut-être je devrais présenter rapidement l'organisation. Donc Women in Mining est aujourd'hui la première et la seule organisation de femmes spécialisée dans les questions minières, pétrolières et gazières, qui a été créée depuis 2012 pour la promotion du leadership féminin, l'entrepreneuriat féminin, l'éducation scientifique des jeunes filles, le développement socio-économique des zones d'activité extractive, entre autres. Et malgré notre relative jeunesse, nous avons eu à faire quelques réalisations phares, notamment la prise en compte du genre dans le nouveau code minier. C'est un peu grâce à l'association que ça a été une réalité. Nous avons effectivement participé à l'élaboration des politiques publiques et par là je vous citais la loi sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures, ce qui nous a même valu des mots de félicitations et d'encouragement du chef de l'État, en l'occurrence son excellence Monsieur Macky Sall. Et donc pour dire que aujourd'hui, c'est une rencontre d'importance capitale pour nous parce qu'il s'agit d'enjeux de développement et aussi de justice sociale. Et les ressources naturelles appartenant à tous, les femmes doivent y jouir pleinement et à travers des activités, les mises en œuvre d'activités génératrices de revenus, à travers aussi l'occupation des terres qui leur permettrait de mener leur activité, soit de maraîchage ou bien agricole. De manière générale, mais aussi de pouvoir, dans les activités orpaires, de travailler dans les conditions sécuritaires qui les permettraient de réduire les risques dont elles font face au quotidien. Aujourd'hui, avec l'arrivée de cette organisation, UIM, elle nous permet en tout cas de mieux orienter en tout cas les fonds que nous recevons de ces sociétés minières pour accompagner ces femmes, pour financer des projets qu'elles déroulent au niveau de ces zones impactées. Oui, effectivement, dans la phase, en tout cas, de déroulement de ce projet, un projet important, à savoir le PAGE, c'est un projet aujourd'hui que nous saluons.
Et sa venue aujourd'hui, comme l'a dit vraiment Madame Ndiaye, elle permettra aujourd'hui de résoudre certaines questions liées vraiment à la promotion féminine au niveau de la région de Kédougou. Parce que comme vous l'avez vu, nous constatons en tout cas un abandon massif en tout cas des filles et des jeunes filles. Et peut-être que ce n'est pas uniquement lié à l'activité de l'orphelinage, il y a d'autres causes liées à cela. Mais aujourd'hui, avec le projet PAGIE, qui permet aujourd'hui d'accompagner en tout cas ces filles, surtout de les insérer dans les secteurs scientifiques. Et aujourd'hui, nous avons besoin. Parce que si nous voulons que les femmes ou bien les filles soient leaders au niveau de ces entreprises minières, il faudrait qu'elles soient formées. Il faudrait qu'elles empruntent ces filières scientifiques pour qu'elles puissent vraiment devenir des leaders, en tout cas dans ces entreprises, dans ces sociétés. Mais aussi, ça permet aujourd'hui d'accompagner les femmes qui s'activent dans l'entrepreneuriat. Parce que nous voyons que avec les activités, en tout cas d'orpéage, nous voyons que beaucoup de femmes aujourd'hui s'activent dans des secteurs comme l'entrepreneuriat féminin, mais comme aussi des filières porteurs, en tout cas de développement. Donc il est important, en tout cas pour nous, collectivités, nous saluons en tout cas cette organisation, nous remercions en tout cas pour tous les efforts qu'ils sont en train de mener pour nous accompagner en tout cas dans notre projet. Je suis nommée secrétaire générale de Girls for Mining et je suis très heureuse parce que moi, le message peut-être que je pourrais combattre les inégalités sur les études pour les filles. Et aussi, je vous remercie beaucoup parce que moi aussi, vous m'avez assuré que je peux compter sur d'autres personnes pour mes études que mes parents. Et je voudrais lutter sur pourquoi les filles d'aujourd'hui ne continuent pas l'école. Ils viennent et apprennent jusqu'en classe de 6e ou 3e et ils laissent l'école. Mais ça, je trouve ça injuste. Pourquoi ne pas continuer pour réussir dans notre vie? Je pense que le rôle de la femme n'est pas seulement rester à la maison et faire les travaux ménagers. Je crois aussi que les femmes doivent aller à l'école pour apprendre, étudier et aider leur famille et leur pays. Il y a 4 catégories de femmes qui souffrent par exemple de manière différenciée d'une problématique par rapport à l'inclusion dans le secteur, que ce soit les femmes employées dans l'administration ou bien dans les entreprises, les femmes entrepreneurs qui font de la prestation de services et les femmes qui s'activent dans leur paysage traditionnel et les femmes aussi des communautés hautes. Et donc il faut en fait sur la base de données scientifiques et fiables mettre en place cet indice qui permettra de mesurer les performances en termes de genre dans ce secteur, mais également d'offrir à tous les acteurs, décideurs et parties prenantes un outil de plaidoyer, un outil d'aide à la décision, un outil de communication, mais également d'évaluation des politiques publiques, en plus d'être un instrument de redevabilité qui permettra de statuer ou bien de suivre les obligations des entreprises, mais également l'engagement de l'État en termes de genre. Que ce qui a été retenu, c'est d'abord par rapport aux 6 régions qu'on a eu à collecter des données et de l'information, c'est de savoir qu'il y a une différence par exemple par région. Aujourd'hui, si on prend l'exemple des régions minières, à savoir Kédougou, Matam et Étiès à travers Daokoudos, et si on prend exemple aussi les régions pétrolières ou bien gazières, c'est-à-dire Saint-Louis et Fatick, les problématiques ne sont pas les mêmes. Par exemple, à Kédougou, qui a une particularité spécifique, le fait qu'aujourd'hui, la plupart des femmes de cette région, ça donne aux activités de l'orpaillage. Aujourd'hui, le problème est là et que c'est l'utilisation, par exemple, des produits chimiques dangereux que les femmes
de cette activité d'orpaillage, la manipule, qui constitue non seulement une contrainte pour la santé, mais également un risque pour l'environnement. Mais également dans ces zones d'activité d'orpaillage, vous conviendrez avec moi qu'avec le rassemblement de plusieurs nationalités, aujourd'hui, on note des violences basées sur le genre, mais également de l'insécurité et aussi la dégradation, par exemple, des terres qui ne permettent pas, par exemple, de renforcer la sécurité alimentaire, en plus, par exemple, des maladies sexuellement transmissibles et la déperdition scolaire qu'on note, par exemple, au niveau de ces zones. Et toujours au niveau de ces zones, par rapport aux communautés qui sont impactées, l'accès à la terre constitue une contrainte, mais également les processus d'indemnisation, parce qu'en général, c'est ces femmes-là qui s'activent dans ces terres-là et qui perdent leurs moyens de subsistance. Et aujourd'hui, par exemple, les processus d'indemnisation ne permettent pas de pouvoir indemniser ces femmes-là qui perdent leurs moyens de subsistance. Par exemple, dans la région de Kédougou, c'est ce que nous avons eu à noter. S'agissant, par exemple, de la région de Thiès, la contrainte ou bien même la problématique est haute, c'est-à-dire surtout liée à la pollution de l'environnement. Les installations ou bien les entreprises qui sont dans cette région, avec la pollution que l'on note par exemple ou bien que l'on constate dans cette région, ça favorise des maladies par exemple respiratoires, ce que les communautés ont eu à nous donner comme information, mais également l'accès au marché au niveau local. Parce qu'aujourd'hui, cette étude a permis de montrer que sur, par exemple, 10 entrepreneurs reconnus au niveau national, seule une femme est à Kédougou. La plupart, par exemple, des achats est réservé aux grandes entreprises, par exemple, de Dakar, ce qui ne permet pas, par exemple, le développement de ces localités-là. Si on prend les régions pétrolières ou pétrogazées, ou bien les futures régions, aujourd'hui, les inquiétudes par rapport à la survie de leur activité économique, mais également à la conciliation entre la pêche et l'exploitation future des hydrocarbures constituent un enjeu majeur dans ces zones-là. Donc ces femmes-là sont très inquiètes par rapport à leur devenir et c'est ce qui a permis de voir par exemple qu'à Saint-Louis, elles nous ont fait savoir que elles ont noté en tout cas des réductions par exemple de l'accessibilité de la ressource halieutique, est-ce à dire que c'est les ressources, c'est les exploitations des hydrocarbures ou pas, en tout cas le constat est là, et qu'elles ont aussi mentionné la zone par exemple, les zones d'exclusion qui restreignent en fait leur opération également, et aussi la construction de la brise lame qui est également d'après elle par exemple, est fait sur une zone où il y avait beaucoup par exemple de poissons, c'est-à-dire la zone qu'elle appelle le Diatara, et donc aujourd'hui, par rapport à leur activité génératrice de revenus, il y a par exemple des contraintes qui sont là. Maintenant, si on prend l'exemple par exemple des femmes en entreprise, parce qu'en fait, très souvent, on fait focus juste sur les femmes des communautés impactées et les femmes de l'orpaillage, et on oublie par exemple ces femmes en entreprise. Alors que elles aussi, par rapport aux conditions de travail, des fois, il y a aussi des problèmes. Parce qu'avec ne serait-ce que la maternité, elles ont même droit au congé de maternité légal, c'est-à-dire 3 mois et demi. Et avec l'éloignement de ces sites-là, elles sont obligées d'abandonner des bébés à 2 mois. Et donc, les conditions ne permettent pas, par exemple, leur épanouissement. Et l'étude a montré qu'aujourd'hui, par rapport à ces conditions de vie-là et l'accès aux postes de responsabilité, que seuls 8% de femmes ont indiqué que, par exemple, elles accèdent facilement aux postes de responsabilité. Pendant ce temps que 92% de ces femmes en entreprise estiment qu'elles accèdent difficilement aux postes de responsabilité. De la même manière, par rapport aux conditions et l'environnement de travail, la plupart des enquêtés, par exemple, plus de 56% de ces femmes estiment que, par exemple, les conditions sont favorables à leur épanouissement en entreprise. Et tenant compte aussi de l'aspect formation, parce qu'on ne peut pas parler d'emploi sans pour autant insister sur la formation, nous notons aussi la faible présence des femmes au niveau de ces instituts de formation, parce qu'aujourd'hui, l'étude a montré que seuls 21,5% de femmes sont au niveau de ces instituts de formation, écoles et instituts de formation dédiés. Et là aussi, il y a un autre problème. Non seulement elles sont sous-représentées, mais ensuite, l'insertion professionnelle pose un problème. Si on prend l'exemple de l'INPG, l'Institut national du pétrole et du gaz, qui aujourd'hui est à sa 2e promotion, voire 3, la première promotion, on n'avait que 5 femmes
La deuxième promotion, on n'a que deux femmes, ce qui est très insuffisant. Et le constat, est, après échange aussi et les recherches, ont permis de voir que par rapport aux cinq femmes qui ont été parties de la première promotion, seules les trois à ce jour ont eu à s'insérer. Donc si sur une promotion, on a cinq femmes et que par exemple, tous ces cinq-là n'arrivent pas à s'insérer, donc vous conviendrez avec moi que ça ne constitue pas un encouragement pour les autres jeunes filles qui peuvent s'adonner dans ce secteur-là. Pour dire qu'en tout cas, de la même manière, en termes de gouvernance, le cadre légal, par exemple, est réglementaire. Aujourd'hui, les femmes sont très faiblement prises en compte dans les réformes des politiques publiques. Et donc, il n'y a que le code minier de 2016 qui a pris en compte l'aspect genre de manière spécifique dans ses articles 109 et 115. Donc, ni le code minier, autant pour moi, ni le code pétrolier, ni le code gazier, ni la loi sur le contenu local n'ont pris en compte les dispositions sur le genre. Et en plus de cela, récemment, on a mis en place le comité national de suivi du contenu local. Et donc, le fait que la société civile n'avait qu'une seule place, ça aussi, ça ne permet pas aux femmes de pouvoir siéger à ces instances de décision, en plus de l'ITIE, où, par exemple, on note une faible présence des femmes au niveau du groupe multipartite, parce qu'en fait, sur les 27 membres, il n'y a que 6 membres, par exemple, qui sont des femmes. Et aujourd'hui, avec une absence totale des organisations de femmes de la société civile. Pour dire qu'aujourd'hui, cette étude de faisabilité va constituer la base en tout cas pour essayer d'apporter des pistes de solutions durables pour un plaidoyer efficace et la mobilisation de tous les acteurs. Et donc au lieu de continuer à faire par exemple des histoires de vie, de raconter des histoires ou bien de faire de la philanthropie, il est important d'avoir des outils scientifiques qui permettent de mesurer ces performances de genre. Et c'est dans ce sens-là que l'étude de faisabilité a pris en compte, tenant compte de la problématique de chaque zone, cinq dimensions, à savoir la dimension emploi, pour essayer de mettre en place des indicateurs qui permettront de mesurer les performances de cette dimension, mais également la dimension gouvernance, la dimension entrepreneuriat, la dimension artisanat minier et la dimension cadre de vie, pour essayer de mesurer aussi l'amélioration des cadres de vie, tout en revenant aussi sur les politiques RSE qui aujourd'hui, l'orientation des enveloppes RSE ne permet pas de tendre vers la durabilité, non seulement, mais également, on ne peut pas en fait dire qu'aujourd'hui, par rapport aux enveloppes RSE, c'est ça par exemple ce qui est dédié spécifiquement aux femmes. Donc il faudrait qu'on puisse tendre vers des mécanismes beaucoup plus durables et qui prennent en compte le genre. De la même manière pour le contenu local, aujourd'hui, sur l'enveloppe de 216 milliards en termes d'achats locaux, on ne peut pas dire que c'est ça en fait la part des femmes entrepreneurs, et ça ne permet pas de voir s'il y a une discrimination ou pas. Et l'autre chose aussi qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, même si quand même il y a des avancées avec le système de rapportage de l'ITIE qui produit des données fiables, il faudrait noter que le périmètre de l'ITIE est très limité, parce que ça ne prend en compte que 26 entreprises qui sont déclarantes, c'est-à-dire les entreprises qui ont des chiffres d'affaires de plus de 200 millions. Pendant ce temps, 315 entreprises sont exclues. Et donc, avec toutes les femmes qui travaillent dans ces 315 entreprises-là, et il faudrait qu'on puisse avoir aussi des données et de l'information par rapport aux conditions de travail de ces femmes-là qui sont dans ces 315 entreprises.